Eh bien, je suis au Festival of d'Avignon avec Denise. Bonjour, comment ça va? Et toi, comment vas-tu? Super bien, on n'est pas encore trop grillé, mais ça va. Alors tu joues Denise, incroyable, incontrôlable. Vous n'arrivez pas à le dire. Incontrôlable, au Palace. À 20h40, c'est ça, tous les jours, sauf le lundi. T'es toujours de relâche? Oui, je cuve. Je me repose, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, la Denise, alors? Eh ben, la Denise, c'est mon spectacle, quoi. Je suis dans une salle d'attente à l'hôpital avec tout le monde et on va patienter, on va attendre le médecin tous ensemble. Et ça va devenir incontrôlable. T'es hypochondriaque? Un petit peu. Un petit peu? Mais en fait, je suis hypochondriaque, c'est parce qu'en fait, je suis tombée amoureuse du médecin, chef de gynécologie. Le docteur Fabrice. Elle est folle, cette Denise. Mais on l'aime. Oui, ça fait 5 ans déjà. 5 ans que je te connais aussi. Sur le festival, c'est vrai, on se croise tout le temps. Eh ouais. T'es un peu amoureux de moi, toi, hein? Non, mais t'as bu ou quoi? Ça se voit, il arrête pas de me suivre tous les ans, hein? N'importe quoi. Oh là là, et toi, ça va? Ça va bien. Super. Je suis content de t'avoir reçu, en tout cas. Et ben moi aussi, c'était brive comme ça, vite comme ça dans la tourmente. Mais la Denise, elle est incontournable à Avignon. L'année dernière, elle était pas là et elle a mis sa petite. Oui, c'est vrai, j'étais en vacances l'année dernière. Dans le Luberon. C'est ça, sa veste en disant je suis en vacances. C'est relâche. À l'année prochaine. Voilà. Voilà, et je suis revenue au Palace jusqu'au 27 à 20h40. Gros bisous, Denise. Bisous, salut. Et Festival of 2019 en compagnie de Ladies Love. Ladies Love, Ladies oui. Love. Oui, musical, théâtral, comico, coquin, délicieusement scandaleuse. Le spectacle qui fait. Alors, bonjour. Tes impressions du premier Avignon? Bah super, super, il y a beaucoup de monde. On peut échanger aussi avec les personnes qui viennent nous voir, c'est vraiment cool. Un bel accueil, un tractage acharné mais prolifique. Donc voilà, tout se passe très très bien, on est super content. Et votre passage sur les interviews de Bruno, qu'est-ce que vous en pensez? C'est que du bonheur. C'était merveilleux, c'était une de nos premières interviews et on s'est régalé. On le referait tous les jours si on pouvait. Oh, c'est gentil, les filles. Ouais, c'était punchy, vitaminé, élégant et c'était à l'improvisé, c'est ça? À l'impro bar. Voilà. On salue d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. Ouais. Et merci à vous, les filles. Donc, merci. Tous les soirs à 21h50. 9 rue Mignard au Paradise République. Et bien sûr, mesdames et messieurs, on vous fait monter au 7e ciel. Merci à vous, les filles. Merci. Festival of 2019 avec Cécile Laurenceau, que je viens de croiser dans la rue. Salut Cécile. Salut Bruno. Comment vas-tu? Ça va bien. Depuis le passage sur le plateau, bah écoute, de Bruno. Ça va bien. Comment ça se passe au Shams? Ça se passe bien. Alors ton content. Spectacle, c'est rock'n'roll. C'est ça. Et tu joues de la... Qu'est-ce que tu joues, du ukulélé? Je joue du ukulélé, j'ai un pianiste qui m'accompagne. Ouais. Et c'est une diva déjantée, suicidaire, qui croit qu'elle fait du rock'n'roll. Et elle fait quoi du coup? Bah elle fait de la chanson, elle est rock'n'roll dans sa tête. Et dans ses doigts? Oui, et dans ses doigts aussi. Donc ukulélé, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme instrument? Eh ben, un piano, un ukulélé et piano, moi. Piano, ukulélé. Et super. Moi, voilà. Et toi, déjanté. C'est ça. On l'aime, Cécile. Rock'n'roll au Sam's. Merci à toi. Merci à toi. Bruno, Festival of 2019 avec Mano. Bonjour. Comment vas-tu, Mano? Ça va. Oh, pas trop timide. T'es ça pas va. Timide en plus. Non, je suis pas timide. Vas-y, prends le nom de toi. Alors, je m'appelle Mano. Bon, je m'appelle Mano là. Je m'appelle Mano. Je suis maître nageur depuis maintenant. Non, je déconne. Je m'appelle Mano, j'ai 13 ans et je fais du théâtre. Je rêve d'être humoriste. Donc, je fais. Dis bonjour à maman. Bonjour à maman. Ça, c'est un petit cadeau de Jacques Martin. T'as pas connu toi? Non. Ah bah oula, la claque dans la vieille. Là, c'est la claque, c'est la claque de la vieillesse, ça fait toujours. Ça fait toujours très 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 mal. Hein, faut... T'as pas connu Jacques Martin? Non. L'école des fans? Non. Oh merde. Ah oui, oh merde, oui, ah oui, tu peux te le dire, oui. Alors Manu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je fais du théâtre, j'écris mes textes. T'écris tes textes? J'essaie, enfin en tout cas j'essaye d'écrire mes textes. Hein. Et en ce moment je suis en train d'écrire un spectacle. Ouais, sur le thème de Mano. Ouais, c'est le thème de Mano. Ouais. C'est un très bon thème. Hein. C'est un thème que beaucoup de, qui intéresse beaucoup de personnes en France. 3. C'est-à-dire moi, mon père et ma mère. Ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. C'est ça pas qui mal. Est bien. C'est ça qui est bien. Et qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Bah humoriste. L'Olympia. Ouais, l'Olympia. L'Olympia. Ouais. Eh oui. Ouais, au moins. Parce que bon, au moins, attends. Au moins. Comme pour qui? Pas faire des petites scènes toute ma vie, faire l'Olympia un peu, non? Donc tu fais des scènes ouvertes à droite à gauche Ouais, ouais, je fais le Clash, je fais Victor Hugo Anime, voilà, je fais à Bagnole aussi. À Bagnole sur scène avec Franck Polo aussi, ouais. Salut d'ailleurs. Bonjour à Franck. Voilà.
Et tu fais un petit tour au Festival Off? Ouais, parce que j'aime bien. Non, je viens voir des spectacles, puis j'ai joué un peu au festival. T'as fait les scènes ouvertes? Ouais, j'ai fait les scènes ouvertes au Clash Théâtre. Au Clash. Ouais. Comme ça, Thierry aussi. Salut Thierry. Bon bah Manu, à bientôt. À bientôt. Oh, à l'Olympia, la prochaine. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, je te garde les trois places du premier. Allez, rang, pas de soucis. Si tu veux. Voilà. Allez, salut. Allez. Festival of 2019, les interviews de Bruno, et je suis dans la rue de la République avec Bienvenue la Coloc. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben, ma foi, fort bien. Et au spectacle, ça parle de quoi alors? De colocation, forcément? Non. Non, de quelle quoi? Idée, enfin. Peut-être, il faut venir voir, on va pas vous spoiler. De vacances, de plage, de... Oui, voilà, bah, c'est une colocation. Ouais. Donc c'est quatre colocataires qui accueillent un nouveau colocataire. Ah bah c'est moi. Non. Donc bref, on accueille un nouveau colocataire qui s'avère être excessivement parfait et ça en devient rapidement chiant. Mais c'est moi, je te le dis, c'est pas lui. Non. Voilà, donc c'est très très chiant. Et puis on a aussi donc un propriétaire, voilà, donc qui vient nous embêter assez régulièrement. Voilà, c'est juste la vie en colocation, quoi. Vous êtes combien dans cette coloc? Alors, au début, on est 4 et on cherche du coup un 5e colocataire. Ah ben voilà, je viens d'arriver. C'est moi. Je vous dis, j'ai rejoint le spectacle, moi. Voilà, mais en tout sur scène, on est 6. 6. En comptant le propriétaire. Donc vous jouez au Palace tous les jours à 15h. C'est ça. Hein, et ben merci à vous. Et ben merci. Merci beaucoup. Et bonnes vacances, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Beau festival. Merci. Salut. Avec Guilain, des pires potes. Ouais, mais c'est marqué là aussi. C'est marqué là, c'est marqué partout. Donc les pires potes, qu'est-ce que c'est comme spectacle? Alors les pires potes, c'est une comédie qu'on a commencé en 2016, donc ça fait 3 ans qu'on la tourne. Ouais. C'est notre deuxième Avignon parce qu'on était là l'an dernier, on a cartonné, du coup on est revenu au même théâtre. Mais cartonné ou ça a explosé plutôt? Ça a explosé dans une salle plus grande. Donc c'est 95 places au lieu de 70. Et on est souvent complet, donc c'est vraiment chouette. Pour réserver alors? Pour réserver, ouais. Au petit numéro qui est là. On est complet, mais appelé quand même. Et en gros, le pitch, c'est 3 meilleurs amis qui, à la suite d'un événement, vont se révéler des choses qui se sont cachées. Et ça va monter un petit peu en escalade. Mais dis-moi, t'as pas pris un coup de soleil, toi? Si, c'est le sac à dos. Le nouveau débardeur. C'est le sac à dos qu'on m'oblige à porter avec le débardeur, tout ça. Ça fait des... Voilà quoi, c'est... je suis le loupen prolétariat. Et donc mes pires potes, 15h20, au Paradise République, tous les jours, sauf le... Sauf le rien du tout, tous les jours. Ouais. Merci à toi, Guilain. Voilà, merci à vous. Ciao. Et c'est en 1947 que Jean Villard a créé dans la cour d'honneur du Palais des Papes le premier festival d'Avignon. Et depuis plus de 70 ans, eh bien tous les ans, pendant l'été, au mois de juillet, Avignon fête le théâtre. Bon, je viens de recroiser Max là parce que je veux du sexe bordel, le spectacle. Qui a lieu au Paradise République tous les jours. À quelle heure? 12h35. Alors ça parle de quoi? Alors, ça parle simplement d'une jeune femme qui est à la recherche d'amour. Et comme malheureusement beaucoup de femmes, elle est assez frustrée, elle tombe sur des histoires sans lendemain. Et un jour elle tombe sur un livre qui est très connu, qui s'appelle le Kama Sutra. Voilà. Et tu l'as étudié toi, le Kama Sutra? Oui, mais en diagonale. Ouais. Et mais encore, j'ai regardé beaucoup les photos aussi. Ouais. Et comment... T'as essayé? Oui, mais j'ai remarqué que c'était pas assez souple. Ou c'était pas assez nombreux peut-être? Non, le nombre était bon. Elle est pas assez longue, c'est ça? Peut-être aussi, je sais pas. Non, plus sérieusement. Et donc elle décide de suivre les 8 étapes entre le choix du partenaire et jusqu'à l'acte sexuel. Voilà. Et ça part un peu en cacahuète autour de tout ça. C'est très chaud, hein. Interdit moins de 18? Comment? Interdit moins de 18 ans? Non, 14. 14. Bon, Paradise République, à quelle heure tu m'as dit? 12h35. 12h35, tous les jours. Voilà, bon. Sans relâche. Allez, bah, allez le voir. Ok. Je veux du sexe pour elle. Yes. Salut. Salut. Et là, je suis avec Fad. Salut. Salut. Ça va? Ouais. Tranquille, et toi? Ça fait combien de temps que je te connais? De 3 ans, 3 ans? Ouais, à peu près. Ça, hein. Et donc, c'est un artiste de rue et qui fait des magnifiques fresques. Tu fais aussi des petits bijoux en... Ah oui, des sculptures. Des sculptures voilà. D'aluminium. Des roses. Ouais, voilà. Autres, malheureusement, voilà. J'en ai plus là. ça marche bien. C'est ça. Bon, tu vas nous écrire Avignon? Avignon, ouais. Allez. Vu qu'on y est, allez.
avec du goût, bien sûr. Alors, Fad, tu as un site Facebook, c'est Caribou Fad. Caribou Art Déco. Je viens pas du Québec. Hein. Caribou. C'est Caribou dans le Grand Nord. Nickel. Ah oui, il faut le retourner. Pour l'image. Voilà. Voilà, donc Avignon. Voilà. Enfin, c'est des enluminures asiatiques, monsieur, dame. Si ça vous dit, je suis le dernier pape, je suis toujours au palais. Ah, c'est bien dit, ça. Bah oui, c'est pas mal. Je suis là dans le petit passage, toujours là, prêt à vous accueillir. Bonjour, monsieur, dame. Vous allez bien? Voilà. Donc, Caribou Fad sur Facebook. Sur Facebook, voilà. Et sur le terre-terre, on dit aussi. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Festival of 2019, les interviews de Bruno et le spectacle Entre ils et elles. C'est ça. Donc ça parle de recherche identitaire. Une recherche identitaire complètement. C'est trois amis d'enfance qui vivent en colocation. Tout se passe très bien entre eux, ils sont quadragénaires jusqu'au jour où l'un des trois va annoncer aux deux autres qu'il veut devenir une femme. Comment ils réagissent? Ça fait partie de la pièce. Chacun. On va dévoiler alors. Non, on va pas tout dévoiler, mais chacun réagit à sa manière. Est-ce qu'ils vont le soutenir ou pas? Voilà, tout est dedans, tout est. Ça va vraiment les choquer parce qu'ils s'y attendaient pas vraiment. Voilà. C'est surtout ça, ils n'ont pas vu de choses arriver et du jour au lendemain ça leur tombe dessus et une amitié d'enfance, voilà, ça, au bout de 40 ans ça fait beaucoup de choses à absorber. Tu penses qu'il y a un message de tolérance dans ce spectacle et pour frapper un peu les esprits? Ouais, surtout pour susciter les réactions, ouais. Susciter l'interrogation, de se dire bah tiens, si nous demain ça nous arrivait, comment on pourrait vivre tout ça, quoi. On le traite avec humour, avec délicatesse, on essaie, bon effectivement, peut-être quelques clichés pour certains, mais en tous les cas, voilà, ça fait partie de la vie, mais on est là pour les faire tomber et faire passer ce message là. Bon, merci à toi. Donc c'est Entre ils et elles au Cinévox tous les jours à 22h15. C'est ça. Merci c'est à ça. Toi. Merci à toi, merci beaucoup. Et au hasard de mes rencontres dans les rues d'Avignon avec Christina. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, toujours. Et toi? Très bien. Bon, c'est spectacle bien. Tio. Itinéraire d'une enfant de Brassens. Alors, c'est un spectacle que je n'ai écrit qu'avec les chansons et les mots de Brassens, mais pour raconter mon propre parcours de vie. Et c'est un spectacle musical où on hispanise comme ça tonton Brassens. Un vrai rayon de soleil, cette fille. Bah, écoute, si tu le dis. Vous êtes combien sur scène? On n'est que trois. Il y a Bruno Caviglia, mon maritariste, qui est là. Et puis Xavier Sanchez, des excellents musiciens et beaucoup de bonne humeur. Et une mise en scène de Marc Pistolesi, qui a fait la mise en scène de Yves Olivi, qui a eu le Molière l'année dernière. Ah oui. Meilleur spectacle musical. Donc, et voilà. Tu sais, depuis trois années dessus. Trois années, c'est ça. On est plein à craquer. Mais vous pouvez toujours rester debout, si vous voulez. Parce que hier, on a des spectateurs debout, donc ça marche super bien. Bon, bah, tant mieux. Voilà. Je suis content de te revoir, merci, en tout cas. Merci, au plaisir. Bisous. Et à très bientôt. Bon festival. Toi aussi, merci Christina. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, en parcourant les rues d'Avignon, je suis tombé sur mon ami Alain Ferret, que tout le monde connaît ici, artiste peintre. Salut Alain. Salut Bruno. Alors, tu présentes un spectacle? Oui, je présente un spectacle qui s'appelle « Eh oh les poubelles », que je n'ai pas écrit, et qui est d'un ami commun avec Raymond, qui s'appelle Eric Chitkat. Eric Chitkat. T'as l'air mal prononcé, Eric Chitkat. Eric Chitkat. Il y a un très bon spectacle. Chitkat. Ça part sur l'écologie, ça parle beaucoup aux enfants. Et c'est un truc sur l'écologie. Et je pense qu'il est temps de sensibilité à la nouvelle génération avec un vrai spectacle sur l'écologie qui tourne sur un chapiteau partout en France et qui est à Avignon cette année avec notre ami Alain Ferret, qui est un peintre talentueux. Que tout le monde connaît ici, c'est ce que je disais. Oui. Tout le monde connaît. Et engagé en plus. Et engagé, et surtout au niveau de l'écologie. Donc ça se joue au Théâtre de la Rotonde du 17 au 27 et la relâche est le 22. Et donc c'est un spectacle qui traite de beaucoup de choses, ce Raymond. Et, oui, vas-y. Non, mais Raymond est écologique, il a pris. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, moi je suis écologique. De la tête aux pieds. De quoi? De la tête aux pieds. Ah mais il n'y a pas plus écologique que moi, attends, je chie pas, je pisse pas, je momifié. Non, je recycle tout, je transpire. Et vous le retrouverez dès septembre au Vieux des Rives. Non mais attends, parce que lui il filme, parce qu'il y a un mec qui filme derrière la caméra. Oui. Les gens qui sont en train de regarder ça, ils s'imaginent pas qu'il y a un mec qui filme derrière la caméra. Vous savez, les gens sont très cons, hein, faut s'adapter. Attends, c'est un selfie qu'on fait. Non, c'est pas un selfie, c'est une caméra. C'est les gens, chez les gens.
gens, il faut s'adapter aux gens. Les gens sont devenus des merdes et des gros cons qui regardent la télé, qui regardent Internet ou je sais pas quoi. Là, il y a du talent. Il y a un peintre, monsieur. Il y a un peintre qui défend l'écologie, monsieur. Il y a un... Madame, écoutez pour vos enfants. Parce qu'ils vont crever quoi? Ils vont crever de vos pourritures. Mais grâce à cette affiche, grâce à ce spectacle, on peut peut-être sauver le monde. Sauver le monde. Et avant de sauver le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une bonne soirée et rigoler. Grâce à qui? Raymond Forestier. Alors, on va où? Un excellent comédien. Oui, je vois ça, ouais. Raymond Forestier, et qui joue le... Ah oui, alors je fais une exceptionnelle. Le 25 février. Non, 25 juillet. À 10h45. Au Comédie Pré République. Oh, ça doit être par là, oui. Oh, le 25 juillet. Et en général, il ne dit jamais où il joue. Non, parce qu'il ne veut pas être embêté. Oui. Ah, non, ça, c'est un truc. Bon, le Paradis République 25... Paradise. English. Le Paradis Paradise. C'est ça? Non, le Paradis et Paradise République. Paradise République. Le 25 janvier, le 25 juillet, à 10h45, c'est le matin. Voilà, au mieu de glander comme des cons dans vos pieux, et si vous voulez faire chier, vous trempez vos tartines jusqu'à 11h du matin, attention, vous levez le cul, puis vous allez voir un spectacle de qualité. Merci à vous, merci. Merci de rien, à de rien. Et sauvez la planète grâce à un intérêt. Alain Ferret, un grand peintre. La différence qu'il y a entre Picasso et Alain Ferret, c'est que Picasso, il arrivait à vendre ses toiles, malgré que ce soit des merdes. Espèce d'enfoiré. Voilà. Et la différence entre Fernand Reynaud et Raymond Forestier, c'est que lui, il fonctionnait bien. Ok, bah toi, bah, l'humour a des limites. Ouais. Bon, merci les gars. Okay, merci les gars. Ce soir, vous avez pu suivre avec moi, avec les interviews de Bruno, le Festival d'Avignon, le Festival of d'Avignon, à la rencontre des artistes que je remercie tous. Et je remercie également Anthony de Sky Lake France qui a eu la gentillesse de venir faire les captations de vidéos. Voilà, et à très bientôt.